Bonjour, aujourd'hui sur Corde à gratter, nous allons nous intéresser à Like a Virgin de Madonna. C'est un morceau extrait de son deuxième album qui est sorti en 1984. Il a été écrit par Tom Kelly et Billy Rogers, deux célèbres compositeurs de l'époque. Aujourd'hui donc, pour le même prix, nous allons même avoir deux tutos en un. Tout d'abord, une première phase où je vais vous présenter l'arrangement pop acoustique dont je viens de vous faire la démo. Et une deuxième partie avec un arrangement jazzy. Là, vous pouvez entendre une démo en arrière-plan. Si vous voulez entendre la version complète, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Alors, le morceau a été enregistré en fa dièse, ce qui n'est pas une tonalité très agréable pour les doigtés à la guitare. Donc là, on va monter un petit bout. L'arrangement ici est une version transposée en la, ce qui s'avère nettement plus agréable. Alors, l'intro du morceau, c'est une ligne de basse. En fait, c'est une mesure qu'on va répéter deux fois. Alors, dans cette mesure, il va y avoir trois notes différentes. Tout d'abord, un La en corde à vide. Il va y avoir un Fa dièse, deuxième case de la corde de Mi. Et il va y avoir un Mi en corde à vide. Ensuite, rythmiquement, c'est tout simple, c'est que des croches. Donc, sur une mesure, il va y avoir huit croches. Donc, les huit notes, c'est tout d'abord un La, Fa dièse, Mi, La, encore un La, Fa dièse, Mi et Fa dièse. Je vous le refais une fois gentiment. La, Fa dièse, Mi, La, La, Fa dièse, Mi, Fa dièse. Je fais les deux mesures, cette fois-ci un petit peu plus vite, ça fait... Alors dans le morceau original, la ligne de basse continue sur tout le morceau, en changeant d'accord bien sûr, vous avez les accords sous les yeux, mais c'est le même type de ligne de basse. Alors c'est pas la voix qu'on va suivre aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à ce que fait le synthé. Le synthé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer des accords... La, mais on va pas le laisser sonner comme ici, on va jouer un La comme ceci, staccato. Ça veut dire qu'on va interrompre l'accord juste après l'avoir attaqué. Pour obtenir cet effet-là, il y a deux moyens, il y a la main gauche et la main droite. La main droite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus pratique, je vais placer la tranche ici de ma main sur les cordes pour les étouffer juste après avoir attaqué l'accord, comme ceci. Ça peut aussi se faire en montant. Voilà. Je peux également utiliser ma main gauche. Alors, ma main gauche, ça va être plus facile de le faire pour un accord barré, par exemple le Si mineur 7 ou le Fa dièse mineur 7 que vous allez avoir dans la grille. Parce que si je joue mon Si mineur 7, quand je relâche la pression sur les cordes, je peux obtenir cet effet staccato. Il suffit que je relâche la pression juste après avoir attaqué l'accord. Pour un accord avec des cordes à vide, comme l'accord de La, c'est un tout petit peu plus difficile parce que quand je relâche la pression, les cordes à vide, ici ben, la basse et puis la corde aiguë de Mi, continuent à sonner. Donc celles-là, il faut que je les arrête très vite. Et je peux pencher mes doigts, par exemple, je peux utiliser mon petit doigt, je peux utiliser mon pouce pour étouffer les cordes à vide. Mais c'est tout à fait possible. Comme ceci. Voilà. En pratique, on va utiliser une combinaison des deux techniques. Alors, il y a une rythmique qui revient tout le temps dans le morceau. C'est celle-ci. I made it through the wilderness. Somehow made it through. Pour obtenir ceci, d'abord, je vais faire un mouvement d'aller-retour avec ma main droite. Donc, les temps en descendant, les contretemps en montant. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et on va jouer un accord staccato sur le premier temps et sur le « et » du deuxième temps. Ça va faire ceci. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Par contre, on ne va pas marquer tous les temps et tous les contretemps comme je viens de le faire ici avec mon plectre.
ce qu'on va faire, c'est continuer le mouvement d'aller-retour, mais on va éloigner le plectre des cordes pour ne pas marquer toutes les croches. Donc, on va gratter, en fait, sur les deux accords staccato. Et vers la fin de la mesure, hein, le E du 3, le 4, le E du 4, à choix. Hein, je dirais que là, on va plutôt chercher à varier plutôt que faire tout le temps la même chose, histoire de rendre le morceau un petit peu plus intéressant. Souvent, on va jouer le 4, par exemple. Donc voilà ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. On peut aussi faire ça sur un accord de si mineur 7, par exemple. Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y a un certain nombre d'accords de La qui étaient en grisé sur la grille d'accords. Donc ça c'est une option, mais quand même ça apporte pas mal de faire cette variation, qui est une variation rythmique. Donc ça vient du synthé sur le morceau original. Donc là, le synthé sur ces mesures-là, plutôt que de faire l'accord staccato sur le premier temps et sur le E du 2, ça va être fait une croche plus tard. Donc sur le E du 1 et sur le troisième temps. Si on fait ça, il vaut mieux rajouter également une accentuation à la basse sur le premier temps. Donc voilà ce que ça va donner. Premier temps, donc basse. J'entends par basse les deux notes, les deux cordes graves de l'accord de La. Comme ceci. Donc, premier temps, on va faire ceci. Ensuite, le E du 1 en montant accord staccato. Le 2, on fait rien. Le E du 2, on fait rien. Troisième temps en descendant accord staccato. On monte. On descend, on monte. Et on a fini la mesure. Donc, je vous le boucle. Ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, autre élément qu'on va rajouter, c'est des accords de sixième sur certaines mesures de La. Vous avez peut-être remarqué que les mesures de La, il y en avait toujours un nombre pair à la suite. Donc, sur les mesures de La paire, donc la deuxième, la quatrième, la sixième, vous allez rajouter une sixième. Donc, l'accord de La 6, on l'obtient en rajoutant la note de Fa dièse sur l'accord aigu. Ici en haut. Donc, un moyen simple de l'obtenir, c'est vous avez votre accord de La, vous passez à La 6 en rajoutant le petit doigt ici sur la deuxième case de l'accord de Mi. Après, on peut le renlever. Alors moi je le joue pas comme ça, je le joue plutôt en couchant mon annulaire sur la corde aiguë. C'est comme vous préférez. Ensuite donc sur ces mesures de La paire, on va rajouter cet accord de La 6 sur le premier temps à la place de l'accord de La usuel. Donc ça va faire... Voilà, uniquement sur les mesures paires. Après, des fois, pour varier, je ne vais pas simplement jouer cet accord de La 6 sur le premier temps, mais je vais aussi le rajouter sur le E du 1. Donc ça va faire... Récapitulons un petit coup à partir de la première mesure de La en grisé. I made it to the wilderness. Somehow made it. Until I found you, I was beat, incomplete. I've been hell, I was sad and blue, but you made me feel. Donc on arrive au passage si mineur 7, fa dièse mineur 7, où il y a une petite spécialité. Je vous fais déjà écouter. But you made me feel. Yeah, you made me feel. Donc là, peut-être vous avez senti que l'accord, le premier accord que je fais sur les deux mesures de Fa dièse mineur 7, hein, je fais normalement le premier accord sur le premier temps, je l'ai anticipé d'une croche les deux fois. Ça veut dire que j'ai joué cet accord de Fa dièse mineur 7 sur le E du 4 de la mesure qui précède. Alors, je vous refais ça gentiment. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, j'en arrive à ce passage où vous avez le Mi sus 4, Mi, Mi 2, Mi. Je reprends juste deux mesures avant pour placer le truc dans le contexte. Yeah, you made me feel shiny and new. Like a virgin. Donc, la moulure, c'est celle-ci. Hein. Ce qu'on entend vraiment, c'est la mélodie ici qui fait ceci. Donc là, les notes, c'est du La, du Sol dièse et du Fa dièse. C'est en fait les altérations de cet accord de Mi. Donc ça commence par un Mi sus 4. Hein, Mi sus 4, ben, j'obtiens, je pars d'un accord de Mi et je vais monter la tierce, ici mon index d'une case, pour avoir le Mi sus 4. Donc une note de La dans mon accord de Mi. Comme ma mélodie elle est jouée ici sur les cordes centrales, je vais éviter de jouer les deux cordes aiguës sur ce passage. Je vais faire donc d'abord le Mi sus 4 4 fois. C'est les premières 4 croches de la mesure. Ensuite, sur le troisième temps, je fais rien du tout. Sur le E du 3, je fais un accord de Mi. Où là, ce qu'il faut qu'on entende, c'est la note de Sol dièse, bien sûr. Le 4, il n'y a rien. Le E du 4, il y a à nouveau cet accord de Mi. Ensuite, on arrive sur la deuxième mesure où ce qu'on veut entendre, c'est en fait la note de Fa dièse, qui est en fait la seconde de l'accord de Mi. Donc, les notes en dessous, ben, j'ai mon Mi, j'ai mon Si qui est la quinte. Si je joue tout ça, ça frotte un peu entre la basse et puis le Fa dièse. Donc, on va plutôt laisser tomber la basse. Et il ne va plus que rester ben, ici le Si à la deuxième case de la corde de La et le Fa dièse à la quatrième case de la corde de Ré. Ce qui va me faire finalement un power chord de Si. Ce Mi 2, donc, je vais le jouer sur les trois premières croches de la mesure. Donc ça va faire... Et sur la quatrième croche de la mesure, à savoir le E du 2, je retombe sur un accord de Mi. Globalement, ça va me faire ceci. Encore une fois. Alors tout le reste du morceau est constitué d'éléments qu'on a déjà vus, sauf un, qui est le pont qui est à peu près aux deux tiers du morceau. Je fais une petite démo. With your heartbeat next to mine. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur ce passage? Ben, tout d'abord, les accords, ben, on a Fa dièse mineur 7 et on a un Si septième. C'est pas du Si mineur 7, c'est vraiment du Si septième. Ces accords de Si septième, là, sur les trois premiers accords de Si septième, c'est comme le passage de tout à l'heure, ils sont anticipés d'une croche, donc ils sont sur le E, le 4E de la mesure qui précède. Autre truc qui change, la manière de jouer la rythmique, hein, la rythmique est la même, mais on va plus jouer nos accords staccato, on va les laisser sonner beaucoup plus longtemps. Hein. Donc ça va faire ceci. Et dernière chose, ben, la dernière mesure, la mesure en 6 septième, la dernière mesure en 6 septième, on va changer de rythmique, on va juste faire 3 noirs. Hein. You're so fine. Hein. You're so fine. Avant de repartir sur les plans habituels. Alors pour cette deuxième partie du tuto, on va comme promis voir un arrangement jazzy de Like a Virgin. Donc vous en fuyez pas tout de suite, on va tout voir tout comme il faut sur une guitare bien standard. Mais voici une nouvelle amie à moi, qui est une guitare baryton. Donc je profite de l'occasion parce que tout le monde ne sait même pas forcément qu'un tel instrument existe. Il y en a des versions, ici c'est une version classique, il y en a aussi des folk, des électriques. C'est un instrument qui est intermédiaire entre une guitare et une basse. Donc il faut savoir que la note la plus grave d'une guitare, c'est un Mi. La note la plus grave d'une basse, c'est aussi un Mi, mais une octave plus bas. Donc 12 demi-tons plus bas.
Ici, on va être entre les deux. Donc celle-ci, elle est accordée en Do, c'est-à-dire que c'est 4 demi-tons plus bas qu'une guitare. Mais ici, elle est accordée assez haut, je peux la baisser, hein, en Si, Si bémol, en La même. Et c'est pas adapté pour jouer n'importe quel morceau, mais si vous avez un morceau où il y a une ligne de basse à faire et puis des accords que vous pouvez rajouter dans les aigus, c'est pas mal. Donc là, pour Like a Virgin, on peut faire une walking bass. Comme le ferait un bassiste. Et rajouter des accords ici dans les aigus. Yeah, you made me feel shiny and new. Like a virgin. Woo! Touched for the very first time. Like a virgin. Etc. Bien, retour avec une guitare normale. Première chose à préciser pour cet arrangement jazzy, c'est qu'on va le jouer shuffle. Ça veut dire qu'on va interpréter les croches un petit peu différemment. Donc pour les deux croches d'un ton sur la tablature, ça va correspondre à la première et à la troisième note d'un triolet de croches. Donc pour une mesure à quatre temps, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Bien, le premier ton, donc ce premier ton, on va jouer une note de La, mais on va pas l'attaquer comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le triolet qui précède ce premier ton, hein, donc le triolet sur le E du quatrième ton qui précède. Et on va jouer un sol dièse, quatrième case, ici, toujours sur la grosse corde. Et on va faire un hammer-on, donc en tapant, pour tomber sur un La sur le premier ton. Donc ça va faire ceci, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Et sur le 3, sur le E qui précède le troisième temps, hein, donc le triolet juste avant le troisième temps, on va jouer un accord et on va glisser cet accord, comme ceci. Donc il y en a deux d'accords. Il y a soit un La 6 qu'on va faire sur les mesures impaires, soit un La qu'on va faire sur les mesures paires, donc le contraire de tout à l'heure. Donc le La 6 s'obtient en jouant les cordes de Ré, Sol, Si, ou 7e, 6e et 7e case. Comme ceci. Et l'accord de La, ben, c'est 7, 6 et 5e case. La même chose. Voilà. Et ça va tomber sur le triolet qui précède le 3e temps. Ça va donc faire ceci. Voilà, donc ce passage de deux mesures, on va le répéter sur l'intro et sur le début du couplet. Et on va le faire jusqu'à la mesure qui précède le premier Si mineur 7, où là, il va y avoir une petite variante, un petit ajout. Donc, les mesures qui précèdent, donc, on a un La 6, et ensuite, on a un La, comme d'habitude. Et on va rajouter un accord un temps plus tard, qui est un accord de passage vers le Si mineur 7, qu'on va obtenir en jouant ici 5e case, 5e case et 4e case, des cordes de Ré, Sol, Si, avant d'atterrir sur le Si mineur 7. Donc ça va faire ceci. Hein? Alors, ce passage de deux mesures en Si mineur 7, c'est la première utilisation qu'on va faire d'une walking bass. Tout d'abord, on va se mettre en position standard de Si mineur 7, ici en barré. En veillant bien à ce que l'index ici recouvre aussi la grosse corde, hein, le gros mi, de manière à avoir un fa dièse ici à la basse, en avoir besoin. Donc, premier temps, on va jouer la basse de Si. Ensuite, la croche qui suit, on va faire les trois cordes aiguës de notre accord de Si mineur 7. Deuxième temps, on va rajouter le petit doigt ici à la cinquième case, jouer un La. Troisième temps, on va avoir à la deuxième case ici un Fa dièse. Ensuite, on remet le petit doigt pour le quatrième temps. La croche qui suit, ben, on rajoute le petit doigt ici sur la corde de La, de manière à jouer un Ré. Et après, deuxième mesure, on recommence. Si, l'accord,
notre mouvement de basse qui descend. Et là, pour le quatrième ton, ça change. Parce qu'après, la mesure suivante, ça va être de nouveau un La. Donc on va y aller de manière chromatique. On va jouer un Sol, troisième case, un Sol dièse sur la croche. Et là, on est prêt à réatterrir sur le pattern d'avant. Etc. Je refais tout ça. Etc. Encore une fois. Alors ensuite, après les 6 mesures de La avec le premier pattern qu'on a vu tout à l'heure, on atterrit sur le pont avec le passage Si mineur 7, Fa dièse mineur 7 deux fois et puis la syncope en Mi. Si mineur 7, ça va commencer comme tout à l'heure, donc Si, les notes aiguës de l'accord, ici la cinquième case, la deuxième case, et là ça change, on va faire une basse avec la corde à vide de Mi. Là on enlève le barré. On rajoute le barré pour atterrir sur la mesure en Fa dièse mineur 7. On va barrer les 6 cordes. On a la basse ici qui est déjà en place. Les 3 cordes aiguës font partie de l'accord, on va les jouer. Ensuite, 5e case avec le petit doigt. Et après, on passe à la corde suivante, on fait 4e, 3e, on redescend pour réatterrir sur le Si mineur 7. C'est la même mesure que tout à l'heure. Corde à vide de Mi. Le Fa dièse mineur 7 à nouveau, l'accord, 5e case, après on redescend, 2e case, 1ère case, et corde à vide de Mi, hein, qui va être la basse de l'accord sur la 5e mesure, mais c'est une basse qui est anticipée d'un triolet, où elle fait partie de la syncope. Ensuite, on a Mi 4, qu'on va obtenir en prenant comme un accord de Ré ici, mais monté de 2 cases. Donc là, vous avez un accord de Mi. Et je rajoute encore le petit doigt ici pour faire la quatrième. Donc ça fait Mi 4. Je vais maintenant enlever mon petit doigt pour obtenir le Mi. Hein, position 4, 5, 4. Voilà. Ensuite, on a encore une basse de Mi sur la dernière croche de la cinquième mesure. Et sur la sixième mesure, on va commencer par un Mi 2 qu'on va obtenir ici en jouant 4e case, 5e case, 2e case, toujours les cordes aiguës. Mi 2, et ensuite accord de Mi ici tout en haut. Alors je refais tout ça. Alors le refrain. Like a virgin. C'est essentiellement une mesure qu'on va boucler. Donc cette mesure, c'est premier temps, basse de La. Ensuite, on va jouer un accord de La 6 en faisant un petit barré sur deuxième case pour les cordes aiguës. Ça vous fait ceci. Ensuite, basse de Fa dièse qu'on va jouer avec le pouce. Ensuite, corde à vide de Mi. Après, basse de Fa dièse qu'on va jouer avec l'index. Et ensuite, basse de Sol dièse qu'on va jouer avec le petit doigt. Ça va faire ceci. Et puis, la mesure qui précède le Si mineur 7, on va juste changer la fin du pattern, c'est-à-dire qu'après la basse de Mi, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de revenir en Fa dièse, on va faire une basse avec une corde à vide de La, et on va monter chromatiquement jusqu'à Si, donc La, La dièse, pour atterrir sur le pattern en Si mineur 7 qu'on connaît déjà. Hein, donc ça va faire ceci. C'est tout pour Like a Virgin. Allez, bye, à la prochaine.